abuso. Foi. E aí, isso não significa aí abuso. Abuso que significa. Ele. Bonjour, bonsoir avec toute fanatique plateforme Silla. M'espérer que nous en forme. La police nationale t'emmène une opération dans la zone montagne noire en Lepétionville. C'est grâce avec policiers qui affecté dans le commissariat Pétionville qui t'emmène opération ça qui t'a pris le résultat libérer une victime kidnappée en l'air dans la zone montagne noire. C'était une opération qui pas facile du tout. La police te fin jouen information que bandi Axam enlevé yon citoyen qui gen comme profession ingénieur électromécanique. Yo enlevé citoyen ça depuis 17 nan mois ça. Qui donc citoyen ta pral gen à peu près 11 semaines depuis yo enlevé et kidnapping ça li te fait dans zone Thomas 25. Nèg yo mouté en les montagnes noires, yal serré victime là. La police qui t'a investigué, qui t'a entreprété, mes chers amis, les yo joignent indice, yo joignent information, yo joignent localisation côté nèg yo séquestré citoyen si là. La police te manché pour être li d'emblée pour te monter en les montagnes noires pour t'al t'emmen opération si là. Effectivement, zone nan son zone qui vraiment difficile, mais la police t'est arrivé t'emmen intervention an, qui t'a pral bay comme résultat otage là t'a pral joindre yon libération gratis ti chéri. Et la police arrêté plusieurs suspects dans quatre dossiers si là. Et bandi Axam yo était déjà volé gagé parce que m'dou ça déjà zone n'a pas facile pour la police t'étant mes opération. C'est parce que la police t'a dévoué dans mission qui fait yo arriver t'en main opération si là. Et forme du tout ancien kidnappé en parlant des victimes dans citoyen qui c'est ingénieur électromécanique là, il était tellement content pour façon la police t'en met intervention, il remercie la police le fait que la police t'en met une intervention qui aboutit avec libération le sain et sauf. C'est-à-dire, il pas gain aucun petit tête qui t'a piqué dans moment opération, il voit big up pour la police le fait que vu que bandi ça ravi c'est ça yo t'es déjà téléphoné par un victime là pour te exiger on ti m'a coûte l'argent en échange de libération. Ben grâce avec coup de filet ça mouche ça li nan la ri gratis ti chéri. Ki la police veut travail, la police ka travail. M'a mandé nous mes chers amis depuis nous gen information, depuis nous gagnent quelques alertes, alerte la police pour la police capable river sous place pour le bay bandi yo sentencio, pour le bay bandi yo saqué yo mérité. Et actuellement là citoyen ça li rejoint une famille, la manger bon petit manger après presque une semaine nèg yo metel non cachot en les montagnes noires après ou te fin enlever dans Thomasin 25. Et forme dou c'est pas celle coup de filet ça non que la police t'est en main. Nous songe gen on tentative kidnapping que la police t'est déjoué dans zone Delma 83, machine saisie, zam de guerre saisie avec plusieurs chargeurs qui donc la police veut travailler. Mais les mal gardé, les mal onti jan en tout prêté mal fouillé zone en Kalalou, malement début aux communications PNH qui ça passe me senti gen on l'autre dévouement qui encore plus grand bon côté. La police là pour autant mais va kabon yo bay va kabon sentencio, yo fait qu'on est c'est grâce avec DG la police à France LB qui bay l'ordre mes chers amis pour tout policier net dans zone métropolitaine là pour yo dégager au courant mettre Jean-Jacques pour capable couper phénomène banditisme cap ronger pays d'Haïti dans façon extrême si là couper zone de province surtout qui donc c'est tout au état major qui recevoir l'ordre bon côté des GPNH là pour yo faire ça au connaît pour yo pacifier département que yo même yo directeur là-dedans là. C'est très bien. Bat bravo pour ça et on l'autre bon forme tout. Gagné un centre ambulancier national mes chers amis qui informe nous suite avec employé qui ont été enlevé. Nous songe ça qui ont employé qui ont été enlevé ensemble avec tout papa puis son l'autre monde encore qui dans machine et ambulance là. Et cela et ben employé ça qui porte nom Jean RT Lou Saint-Il bandit kidnappé 12 nan mois ça et ben li arrivé joine libération dimanche qui s'est passé là dans la soirée. Et m'a souligné pour nous centre ambulancier national li fait qu'on est étant donné yo té pris victime là m'di yo bandi Axam nan plein là les quoi des bouquets au moment yo té pris victime ensemble avec toute ambulance là et bien c'est vrai
employé a li joine libération avec tout l'autre monde qui était séquestré lui yo était kidnappé avec lui yo et bien quatre li souligner machine institution hein li style toujours nan main ravisseur et machine c'est un Toyota Chrysler et li de couleur blanche et plaque li c'est SE 07 164 li gen logo can nan sou li qui donc kidnappé yo kembe machine nan pour une raison ou bien pour une autre j'aime souvent dire nèg pa bo ici yo nous connaît le plus souvent l'autant de danger ou fa passer ou penser c'est un cas urgent qui en dans une ambulance tandis que ces nèg yo cap pressé pour y al font coup pour y al enlever un monde ou bien pour y al font mauvais acte dans la rue Port-au-Prince pour raison de provincial li vraiment important suite avec plaque machine ça qui me saute ba nous là pour nous mémoriser à n'importe côté que nous ta joindre yon ambulance qui pour Cannes mes chers amis qui gagne comme plaque SE 07 164 relais ou bien alerter la police que imagine ça li style toujours nan main ravisseur yo et son comprendre et me souhaiter tout les yo fin passer deal parce que tout comme ça les négociations fin faites pour bandi yo ta remettre machine si là c'était que responsable centre ambulance national yo sorti yon on note pour dire que yo arrivé récupérer machine qui était dans main ravisseur mes amis bon quitter cantique bon prend prière parce que ça l'épiphanie à tort nous est tout maltraitance qui gagne en terre voisine nous est comment immigration dominicaine a fait haïtien passer misère est-ce qu'on connaît comment c'est gagne plein à ribo frontière ah oui après décision que en pile haïtien nan wana mette fin pour la mes chers amis pour te fermer barrière frontière pour te bon pour te capable di porter en solidarité suite avec haïtien qui a maltraité l'autre bois qui donc moun yo haïtien pas fait déplacement pour venir acheter Gianni Kishoy nan men dominicain yo commencé à réagir dominicain yo commencé à plaindre parce que m'a regardé en vidéo côté gen banane qui commençait à gâter gen banan on paquet banan on camion banan qui commence à miner mes mettre tandis que yon journée pacifique pour tout camion ça te fin vann l'otande gen échange sous frontière un petit bout de vidéo ou même qui comprend panyol en al gade vidéo et moi même m'a tourner par la suite pour reste détail Abuso que significa. Entonces yo tengo que negociar contigo. Para tú no revisarme los plátanos, yo tengo que dejar de grabar. Mira, estoy hablando con él y estoy hablando por lo que él dijo. Le estoy respondiendo a lo que él dijo. Él está bajando los plátanos porque yo estoy grabando. Yo le estoy respondiendo a lo que él dijo. Claro, él le está diciendo que es un abuso y él le dijo que porque yo estoy grabando. Entonces, como yo estoy grabando, me están bajando los plátanos. Yo no estoy obligada, escúcheme, no estoy obligada. Bon, pensé que nous es tout bagay. Pensé que nous comprendre et suite avec Goïsa qui gagne bon côté dominicain yo. Est-ce que responsable dans pays Saint-Domingue, yo pral fonti allégé, yo pral fonti apaisé suite avec façon y a fait déportation sous haïtien bon. Je ne sais, mais m'a dit ça clair, peut-être c'est quelques monde qui dans camp qui gagne problème ça, mais gouvernement dominicain pour commencer ce qui a avec échange de commerce, m'pense que yo pas un problème ça. Mais quand même, dominicain ça ta supposé fonce on, ta supposé soulever à l'encontre de l'immigration dominicaine pour un petit gens alléger les choses pour faciliter yo même produit nan men yo wa reprendre produit agricole yo pour yo vendre c'est pas seulement banane non gen orange kap gâté nan moment gen citron kap gâté nan moment gen oignon kap gâté nan moment gen poivron kap gâté nan moment gen piment kap gâté nan moment parce que pas oublier tout ça que n'a consommé en Haïti majorité là dans sorti en terre voisine. Est-ce que vous comprenez? Les sabons, les gens entendent, mon cher, vous débarquez sous frontière, vous ramassez dans les dominicains. Mais malheureusement, pendant quelques jours là,
pas gain ti va et vient, ça pas gain ti activité ça sous frontière. L'autre détail, l'autre information qui m'a ba nou, gagné États-Unis. M'a dit ça, États-Unis c'est une grande puissance pays qui gagne à travers le monde, son pays côté en pile haïtien qui était la caillou à vivre. Et nan tête tonton Samlan, mais faut me dire c'est pas safe comme ça. Qui te me dit gagne un employé dans un marché qui c'est Walmart et là la travail mais ça passé dans état Virginie. Li ouvri coup de zam sou employé pareil liyo ayer soir. Pour pipiti, li touye 7 moun. 7 employés qui travaillent même côté avec dans Walmart là. Tendez bien oui, li touye yo et selon information que la police même ni dispose. La police pas dit est-ce que l'autre monde qui blessé, mais après moun fou ça, après criminel la fin ralé zam pour cribler en bas cartouche 7 employés côté la travail là et puis lui même par la suite il prend zam ni li ko nan tête pas li touye tête pas par la suite. Mes chers amis, m'a toujours dit m'gon paquet diaspora que vraiment vraiment toléré yo. M'dit ça déjà sou pas besoin pas marcher ou sou travail ou pral non petit plaisir aller gade ya ou gade en bas après ça retourner là quand ça fait grand pile zanmi m'gayen qui a vivre États-Unis d'Amérique yo tout depuis ou gen rentré pas gen sorti encore son seul rentré on seul sorti pendant ou gen yo a si gen 50 pirouette qui a fait yo bat fait tous les 50 pirouette là les rentré pour pas aucune contrariété yo ta ressorti parce que son pays m'pa ka dou si c'est type boud là mais son pays mes chers amis côté gros paquet terroriste là dedans, moun n'a pas peur de tuer et pour le détruire 20 moun ou bien 50 moun après ça pour le tuer tête pâle. Ils ont prendre civique si malfrain gang t'a prêté par la suite pour ta serrer boulon non, il fin faire crime là et puis lui même ni tuer tête pâle. Ils ont prendre en tout cas fait en pile prudence, j'aime toujours un médil à chaque fois gain quelques actes criminels qui répétaient, les m'a fait émission ça toujours mandé avec zanmi m'gayen diaspora amyo qui remet plateforme si la cap qui a soutenir tant pri souple fait en pile prudence dans pays mounyo parce que m'pa ka dou parce que semblerait-il que majorité la dedans tête au parti ou bien si y a petit bout de blanche en cachette tout John aussi. L'autre bagarre encore dans même pays États-Unis gagnent chargé d'affaires à IA Eric Stromae va aussi bien dit non hein dit rappeler tout haïtien maladie choléra c'est une réalité, c'est un danger, contrairement avec ça qu'a dit sur les réseaux sociaux. Pendant le mandat des populations, restez vigilants. Eric Stromae lance un pinga by moun qui veut croire diarrhée choléra pas exister. Et ou après gen pile moun à travers commentaire là pral dit ça son bobine fil pas exister vraiment. Tandis que dans Kinskov, moun après les amoué en bas maladie choléra. En pile zone de province, moun pas ka supporter encore avec maladie choléra. Tandis que, ou est-ce que majorité qui pas quoi? Et le plus souvent, les gens qui pas quoi maladie à la, c'est eux-mêmes qui trappent le plus facile. Parce qu'ils ont fait ignorance, parce qu'ils ont fait négligence. En tout cas, fanatiques senti bon mieux, ou même qui en Haïti, choléra, on doit vague retourner sur nous pour une énième fois, prendre tout principe, appliquer, on prend le principe barrière, le principe d'hygiène, pour éviter maladie ça rivé sous. Yo les petits nèg en tout prêt là, voit information. Il est tout compte. Yo gagne et moun sa yo pas faire aucune transaction notamment internationale et quel que soit moun selon régime de sanction ça qui t'a rentré dans logique fait transaction avec moun sa yo ou tomber en bas même sanction avec yo. Et puis troisième niveau c'est ça où il est embargo sur les armes. Donc moun sa yo pas capable acheter aucune arme ni aucune munition dans tout pays, et bien qu'ils ont même adhéré à la question ça. Maintenant, nous parlons tout de plusieurs autres crises qui viennent pour venir. À ce qu'il paraît, les États-Unis ont l'ISPAL, le Canada ont l'ISPAL, mais qu'on y a là, ils ont parlé de la possible arrivée d'une liste des Nations Unies. Et on dit que ça, c'est pour un gros bout de tonton liste, liste Nations Unies. Libéral gagne en pile monde là-dedans, pas des moindres, des monde dans le secteur politique là, des monde dans le pouvoir, des monde dans le secteur privé des affaires là. Pour pouvoir nous connaître deux ministres qui déjà perdu job yo, mais n'a pas rappelé selon information qui est disponible, tu gagne plus de 4 ministres et bien qui étaient concernés par ces sanctions des États-Unis d'Amérique et selon information qui a circulé dans les couloirs du pouvoir, à ce qu'il paraît gagner des autres ministres qui en poste là, et bien qui est capable concerné par ces sanctions et que la communauté internationale a fait des pressions sur le gouvernement, soit pour révoquer, soit pour mettre de côté et puis permettre que la justice eh bien, saisisse le dossier tout simplement. Maintenant, question que tu as posée matin, est-ce que les gens qui sont dans l'ISA ou bien dans l'ISA Canada Soutia,
ils étonnent nous. Autrement dit, ils surprennent nous. Moi-même, personnellement, il y a des gens qui disent qu'ils sont dans la liste, ou bien il y a des gens tout carrément qui sont dans la liste officiellement. Sincèrement, c'est si au pas là, ça t'a étonné. Pour qui ça me dit ça? Ce n'est pas parce qu'ils sont coupables de ça, ils reprochent, ouais, effectivement. Mais c'est parce que, depuis un certain temps, il y a des voix autorisées dans le pays, il y a des organisations de la société civile qui font des rapports dans le pays, il y a des dossiers qui font scandale dans le pays, sous une forme ou sous une autre, vous comprenez, les gens sont toujours impliqués. Pas oublié, non? Ils ont dit comme ça, selon décision Canada ou bien décision États-Unis, ils ont dit que les gens ont utilisé statut. Ou bien statut te gagné pour faire qui ça? Pour protéger gang et puis pour faciliter activité illégale dans la question financière ou bien mettre moyens à la disposition. Mais on parle de deux autres bagages tout. On parle de blanchiment et on parle de corruption. On garde bien, je vous dis à la. Est-ce que pas des gens qui sont dans la liste là, je vais les citer nommément pour ne pas faire personne mal? Est-ce que c'est la première fois que nous tendons à associer Mounzaïo à des activités du genre dans le pays? Je ne crois pas. Moi-même, moi journaliste professionnel depuis pratiquement 7 à 8 ans, je suis dans la liste là, c'est à jeudi à moi tendre clameur publique à répéter que Mounzaïo n'est pas droite, n'est pas catholique. C'est pas jeudi à moi tendre à dire Mounzaïo impliqué dans une série de gros dossiers dans le pays. Pas des moindres. Dossier corruption, dossier blanchiment d'argent. Est-ce que tout ça a été dit ou a été dit sur yo, c'est des bagailles qui fondées ou bien c'est des bagailles qui véridiques? Ça, moi, pas connais en attendant une décision de justice qui soutient en faveur. Mais ça, c'est un jour d'hier, le Canada, les États-Unis d'Amérique, campé en bon 18, comme moun qui vont regarder sous fonctionnement pays, ça, comme moun qui a fonctionné avec acteurs politiques qui a travaillé avec eux depuis un certain temps, donc yo plus ou moins en mesure ou bien pour position puis on connaît qui est ce qui dans bon bois, qui est ce qui dans mauvais bois. Donc c'est ainsi que je dis à vous dis nous. En attendant, monsieur Yuri La Tortue, monsieur Joseph Lambert, monsieur Gary Baudeau, monsieur Hervé Foucan, monsieur Ronnie Célestin, monsieur Michel Joseph Martelly, monsieur Laurent Lamotte, monsieur Jean-Henri Seyan, c'est des monde eh bien qui n'ont tété langue à bandit. C'est des monde qui n'ont financé gang. C'est des monde qui gagne pour à corruption, c'est des monde qui gagne pour à blanchiment d'argent en dans pays. Mais vous parlez qui attire attention monsieur dame et probablement l'attire attention nous. Dans tout le monde, nous avons rendu public aujourd'hui là. Maintenant, ça va rendre public aujourd'hui. Moi, je sens que bon point commun. Nous avons dit ça point commun. Point commun, c'est PHTK. C'est des gens qui soient des membres du Parti haïtien tête calée, ou bien des gens tout à un certain moment qui étaient servis pour voir PHTK, ou bien qui étaient des alliés sûrs du pouvoir haïtien tête et PHTK. Pour qui ça? Je dis là, je ne vais pas prendre le PHTK responsabilité comme seul pouvoir qui gangsterise le pays. Parce que la question de gang ne date pas d'hier. Depuis sous pouvoir passé, notamment avec la Valache, nous rappelons que c'est un officier de police là, nous rappelons une gang qui a ferraillé dans la Cité Soleil. Donc, tu as gagné des gangs. Mais rendez-moi fou ça, même si nous avons une étiquette la Valache ce matin, pendant ces 10 dernières années, la question de gang dans les plus compliqué. C'est pas de 10 dernières années à yo que gang a poussé tant pour John John en d'un pays comme ça. C'est pas de 10 dernières années à yo que chef gang à l'aise comme ça pour parler, pour dire mais ça on va le faire pour foncer une mauvaise action, mauvaise action d'un pays comme ça. C'est pas de 10 dernières années à yo qui fait que jodi a là pour un monde qui te quartier la gare, faut qu'on ait autorisation on chef gang. C'est pas de 10 dernières années à yo que jodi a là route nationale, le principal route nationale en d'un pays a c'est gang qui contrôle pour passer. C'est soit d'accord payer, c'est soit d'accord violer, c'est soit d'accord kidnapper. Ou bien on ka mourir tout carrément. Donc on moun pral di moi ça, c'est pas vrai ça m'a dit à matin. Et bien pendant ces 10 dernières années ça on m'a parlé à qui est-ce qui est au pouvoir? PHTK. Et bien PHTK qui est au pouvoir. Ensuite me dit ça mérite mourir. C'est Michel Joseph Martelly qui est président. C'est Jovenel Moïse qui est deuxième président PHTK. Et mon PHTK, troisième version là, qui vient dans la tête de Ariel Henry. Ak Allié. Ak Allié Lio, ancien membre de l'opposition politique face à Jovenel ou bien Martelly, qui je dis a rejoint Ariel, il a frappé.
Donc si je ne peux pas dire tout ça là, comme réalité, comme configuration de la question de gang, c'est eux-mêmes qui ont une responsabilité. Pas comprendre. Et ils ont toujours dit, et il y a des gens qui avisent, qui répètent ici. Gang, ils existent, ils prennent j'arrête, c'est parce qu'ils ont besoin de protection dans les gens qui sont mieux placés dans le pays, soit sur le plan politique, ou bien dans le pouvoir, ou bien dans le secteur privé des affaires. Okay. Et puis je dis à là, ils disent nous, le Canada, les États-Unis en particulier, les bonnes bourrades, ils disent nous, mais qui est-ce qui est dans la question gang, mais qui est-ce qui a peut-être la gang, mais qui est-ce qui est dans protéger gang. Ils ne nous disent pas. Nous ne disons pas que c'est Mounsa qui ouvre. Mais Mounsa ne peut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, tout. D'entrée, Dieu dit qu'il n'y a pas de bagarre comme ça, non? Fabien souligne pour nous, là, tout Mounsa, c'est des gens qui ont un PHTK, ou bien qui sont alliés PHTK, ou bien qui sont PHTK. Yuri Latour sur Joseph Lambert. C'est deux anciens conseillers politiques de l'ancien président Joseph Michel Martelly. Et pas de six conseillers politiques, non, deux grands conseillers politiques. Gary Bodo, ancien président de la Chambre des députés. C'est ton allié sur Jovenel Moïse Lidéye. Nous pas déjà été jeté ici. Conseil de députés presque levé deux pieds, deux mains pour ouvrir ici. Et Gary Bodo te bat tête non satisfait pour te dire que le doctorat n'a fait ça. Je ne vais pas venir dire ça, mais tout connaît ça qui est passé. Pays à pitié, son plan mêlé, surtout dans la sphère politique là. Ah oui. Ronnie Célestin avec Foucan. C'est deux alliés ou bien deux parlementaires qui étaient PHTK, qui étaient rose dans tout le corps, oui. Et qui étaient bénéficiés au paquet de largesse dans le pouvoir, ça, oui. Ni dans la première version, ni dans la deuxième version, oui. Bon, Michel Joseph Martelly, n'en parlons pas. C'est l'homme fort du PHTK. Et il dit, jusqu'à présent, je veux dire, qui a tiré ficelle-là, dans la sphère politique-là, et il a parlé de yon qui est plus fort politiquement. Maintenant, avec nouvelles, est-ce qu'il n'a pas faibli? On ne sait pas. Laurent Lamothe. Ancien premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères. Bon, il était ministre de planification. Il était ministre de planification à un certain moment. Nous connaissons qui force Laurent Lamothe. 22 stades. Jean-Henri Seyan. Bon, Jean-Henri Seyan, c'est on outsider qui vient jouer l'équipe là. Vous comprenez? Qui devait jouer l'équipe là, dans le cas de nous songer ce qui s'est passé, je crois en 2018-2019, après les événements du 6 et 7 juillet 2018. Vous comprenez, après le voyer la Fontaine aller, il a venu avec Jean-Ricéan fait le temps. L'année 2018 là, premier trimestre 2019 là, vous voyez Michel aller. Vous comprenez, donc Jean-Ricéan, il était accusé comme monde qui devait jeter Jovenel Moïse parce que il y a une réunion qui était faite en plein temps et la caille et comment il s'appelle encore le PDG de la Radio Zénith, la caille Nicolin, ensemble de l'être réuni et projet c'était et voyer Jovenel aller permettre que Jean-Ricéan président et puis soit Boublan bien il a tortu vienne premier ministre. Bon, plan crasé, et il y en a un qui accusé qui crasé plan ça, c'est Moïse Jachal. Bref, donc c'est pour vous dire que tout le monde ça, yon a cité à là, c'est des monde sous une forme ou sous une autre, qui soit travail dans PHTK ou de travail avec PHTK. Donc ça veut dire un bagage pour nous. Pour qui ça c'est yo, c'est pas Johnny Ferdinand, c'est pas Guerrier Dieu seul, c'est pas Lydia Alexandre, c'est pas Pierre Oudel Rouené, c'est pas Grégory Lubin. Pour qui ça c'est yo? Moi m'en vais comme ça. Et parce que je suis en train de dire que c'est innocent ou que c'est coupable, non. Jusqu'à présent, vous avez droit pour défendre tête yo. Maintenant, qui ça nous remarque? Nous remarque, à chaque fois on nous sortit dans la liste là, eh bien, vous prenez les réseaux sociaux, vous prenez la radio pour dire c'est menti à faire sur vous. Moi, li intervention yuri sous ça, ni par écrit, moi entendez la radio. Lambert parle sous ça. Il était fait un pèlerinage dans les médias. Gary Bodo sorti communiqué hier. Hervé Foucan beaucoup parlé, je ne sais pas s'il a parlé. Ronnie Célestin à travers la vocale parlé. Michel Joseph Martelly beaucoup parlé. Laurent Lamothe lui-même répond sur Haïti 24, il parlé. Et puis Jean-Henri Seyan lui-même font un tweet sur ça. Ils ont tout dit comme ça que accusation Canada, ce sont des accusations mensongères. Par exemple, yes. Gary Bodo dit comme ça que c'est persécution politique. Jean-Henri Seyan dit c'est un ensemble d'accusations qui inscrivent nos démarches pour assassiner Caratelli. Laurent Lamothe dit comme ça lui-même c'est une manœuvre qui a fait pour faire silence. Pour ça, pour ça Laurent a parlé, on ne connaît pas. On reprend pour faire silence. Et puis Ronnie Célestin dit à travers avocat, ça Canada accusé lui
pas gagné aucune preuve. Donc il va mobiliser à là pour attaquer décision. Mais mes amis, il y a un monde qui dit comme ça que pour qui ça, c'est réaction ça au gain. Mais pour pas de carton que tu as une réaction, une réaction contre. Parce que je pense que tu as venu dans la vie, mon cher, c'est vrai. Ça, Canada dit, c'est vrai, moi c'est. Bon, et puis son doigt ou rien pour défendre tête, oui, tout quand même. Un, il va pas venir dire ça. Et deux, tout, et la défense est un droit légitime, c'est la cause à vous dire. Donc, il y a un droit de défendre tête, yo. Un droit sacré. Il doit défendre tête, yo. Mais moi-même, comme journaliste, jusqu'à présent, pour moi, monsieur, soit des présumés innocents, soit des présumés criminels, des présumés trafiquants de drogue, des présumés corrupteurs. Mais sauf que, maintenant, tu es pour Mounio, dans le pays d'Haïti. Pourquoi chambre bon monde qui t'est occupé en fonction et puis gon scandale qui pété, qui est pour avec fonction, lui-même, il était là pour d'accord que y a responsabilité là-dedans. Moi, pourquoi ça? Je vais continuer ça déjà. Par exemple, bon l'argent détourné nos bureaux là, bon l'argent détourné nos ministères, et puis on a dit qu'on s'accuse un tel qui est directeur général pendant la période là. Et puis, bon rapport sorti qui dit ah, tel l'argent a fait un crochet, comme monsieur t'a dit, quand il fait l'argent. Première réaction que mon gagné, c'est dans la Radio Labinzo, persécution politique. Premier bar à l'abdou, c'est assassiner avant assassiner caractère. Et puis après ça, ouais, tout bagaille frais, tout bien lui-même, il jouait sous pouvoir, il cherchait qu'on fait pour ça. Regardez ça qui passe ULCC avec dossier Gouni Célestin. Moi, ouais, ni référence, ni métronome parler de question. Ça, sanction Canada, yo. Avis ni ULCC, et c'est vrai, jusqu'à présent. Oui, mais même j'ai l'impression cité Samuel Madistin, qui était dit qu'on rapport en cachette qui sortit sur le dossier ça. Mais DG ULCC a dit pas gagné rapport qui sortit. Il y a enquête qui a mené, il y a des dossiers qui montrent qui a mené sur des pistes. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas gagné un rapport qui sortit. Sa conclusion, rapport à l'impasse. Bon, ça nous pas connaît. Il n'y a pas de détails, donc son rapport, son enquête qui a peiné peut-être, qui a pris un. Moi-même, je ne vais pas dire ça. Canada dit ou bien les États-Unis dit ou, c'est pas l'évangile pour tout le monde dit amen. Mais c'est pas étonné, n'a pas parlé d'un série de dossiers qui sont si sensibles, si importants comme ça, dossier gang, dossier corruption, dossier blanchiment, et puis pour autorité canadienne, autorité américaine, t'as décidé qu'on s'en mette de nos par-ci par-là. Ça n'a pas étonné, moi. Ça n'a pas gagné aucun élément. Et dans le communiqué, le ministre des Affaires étrangères du Canada, il a dit lui-même, il y a des débats, mais il y a beaucoup de preuves. Au moins, qui est capable d'avoir raison pour croire que Mounsayo est lié avec sa reproche. Mais c'est ça peut-être, moi, la mot demandé tout. C'est venu avec preuves concrètes pour montrer qu'il y a un rapport avec gang, qu'il y a financé gang, etc. Et il rappelait que c'est sous Mandalian, pendant le premier ministre, qui a démantelé deux plus gros gangs. Nous sommes ces Souli qui ont été arrêtés, Brant, Clifford Brant, sont sur la familia, etc. Donc, il y a allé ça pour montrer que lui-même n'est pas dans ses collés avec gang. Oui, donc, mais il n'y a pas dit rien tout sous blanchiment. Tout. Bon, ça, qu'on est à qui ça Canada tout dit. Oui, parce que oui. C'est pas seulement ça qui vient comme. Bon, mais c'est peut-être là, il a besoin de preuves là, parce que quand même, c'est l'équipe qui parle. Ouais, la mode capitalisé sous gang en pile. Oui, parce que le fait, parce que il était comme il était agi sous lui, ça a été palpable, depuis concret. Oui, mais c'est ça. Solution. On canalise seulement sous question gang, mais Canada n'a pas parlé de ça ou seulement comme accusation, il y a blanchiment l'argent. Gen corruption. Si nous allons dans le dossier peinture et jalousie, sorti dans Petro-Caribé, resté sa prévalité, passé dans les questions 25 stades, tombé dans petit maman chéri, petit papa chéri, étudiant, panier solidarité. Anel Belize, tout est un dossier, examen qui taché, etc. Je me suis là, moi-même, et puis, question, c'est qui rôle la justice haïtienne dans le dossier ça. Parce que pas oublier que l'ensemble décision, ça, qui prend, c'est pas du tribunal dans pays ça qui prend. OK, c'est des instances politiques mais qui peut-être gagne élément en main parce que pas quand même agir comme ça. Donc on est là qui voit la justice ça en tout cas ça nous gagne là comme la justice dans les mêmes non dossier pareil. Mais l'âme d'après vini. Gros bagarre relé entraide judiciaire. Ça veut dire qui ça? Pays ça qui dit ses amis pays d'Haïti. Si c'est pas sous fou là yo campé, si effectivement yo veulent bailler Haïti on bourade. Pour le bagage que vous faites, c'est mettre preuve ça à la disposition de la justice haïtienne. Mais c'est une justice, tout le monde a demandé. De quelle justice
par le temps. Est-ce que c'est ça qui est là? Donc en même temps, mettez preuve ça yo, ou bien ça yo comme élément yo, à la disposition de la justice, c'est là, ben, c'est vrai support, bini, tabla l'important. Sauti dans le ministre qui fait bini, qui dit accompagner pour on établi droit, permettre que nous avons un système de justice qui grimpe, qui date. Mais même le on y a là, yo mettez preuve ça yo, à la disposition de la justice haïtienne, pas rien du que la justice que nous avons là pour être capable de traiter le dossier en toute impartialité. Parce que pas oublié, non? Nous avons affaire avec des gens qui sont sous les ça, qui sont très puissants économiquement. Nous avons affaire avec des gens sous les ça, qui sont très puissants dans le pays. Par contre, pour le Canada et les États-Unis. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire où le dossier a vini dans la justice ici, ou bien la justice haïtienne saisit le dossier. N'est-ce pas si vraiment vous avez quelques rapports avec ça ou reproché, c'est content ou content. Parce qu'on est là plus facile pour contrôler la justice haïtienne que la justice canadienne, que la justice américaine. Qu'on y a là, moi-même, avant de m'arriver sur la justice haïtienne, ça est important pour moi, c'est après sanction, est-ce que le Canada, est-ce que les États-Unis, pas compter tout, initier un processus judiciaire? Est-ce que vous avez gagné des données dans le monde qui permettent que vous-même, vous menez dossier dans la justice pays. Est-ce que ça rentre dans la prérogative? Ça dépend si vous parlez de blanchiment d'argent, si vous parlez de corruption, si vous parlez de trafic d'armes. Les États-Unis qui impliqué au niveau, mais non, l'autre, automatiquement impliqué le cas saisi de dossier. Ou vous songez sacrifié qui finit. L'Elfin prend cette cicale, Pétionville, et puis à quelques jours, je ne sais pas bien, heure pour le théâtre installé officiellement comme sénateur de la République, investi dans fonctionner. Et mais il a arrêté, je suppose, il a arrêté le sous-basse de Bayou Genameo qui m'a au droit ça. Et probablement, il a signé des documents légaux avec Haïti sous question, qui va permettre que vous venez arrêter ton citoyen là. Si jamais ça vous reproche là, même les États-Unis gagnent légitimité, la capacité légale pour ça. Qu'on y a là, en plus, mon estimé, si le Canada et les États-Unis juste campé, et puis on dit on prend sanction contre Mounzaïo. Gèle bien yo, saisi bien yo, gèle compte yo, interdit yo faire des transactions, interdit yo voyager, nèg yo a vinn tourner en Haïti, et puis après un nombre de temps ça passe. Yo gen droit gen regard sur Canada encore, yo gen regard sur Haïti, mais si la justice haïtienne tout pas saisi de question, nous dit nous ça, on va voir comment ça va se passer. Nèg ça yo pral mettre gros l'argent dehors et quand même payer des films lobbying pour faire lobby pour yo, reprendre pour al vendre l'autre image de yo pour nettoyer l'image yo juste pour dire à un certain moment que c'est ton erreur, yo pas de dise, yo pas de date, yo pas de ceci, yo pas de boy, yo retourner sur cette position. Ça moi maintenant régime de sanction, hein, c'est je les compte avec ces biens nèg yo gen dans pays étranger. Le nous garder surtout Ronnie Célestin avec les derniers cas de acheter à qui côté de 4 millions justement. Et c'est presque même intervention que nous avons fait dernièrement. Nèg yo pa investi en Haïti parce que tout simplement yo konnen yo ka investi à l'étranger, yo ka mete kont yo nan l'autre pays pour yo capable leur vle décider voyager ou bien adjoindre madame yo. Mais là maintenant parce que faut nous ta joindre un avocat international qui peut peut-être bonne idée sur ça. Est-ce que si toutefois yo ta révélé que yo ta levé sanction ça yo contre monsieur Sayo, est-ce que yo gen possibilité pour yo rejoindre bien yo ou bien est-ce que bien Sayo y a à disposition de pays côté yo te gagné fait fortune soit gagner compte ou bien bien ça moi même ça me passe le régime de sanction initialement il est tenu sous un an. Ça veut dire qui ça? Après un an, entre le Conseil de sécurité des Nations Unies approuvé et adopté la proposition États-Unis soutenue par le Mexique là, donc à 2023 tout ça on a dit là on inscrit dans 4 années ça. Mais avec possibilité pour yo renouveler 2, 3, 4, 5 ans et plus. Donc il revient au comité de sanction. Alors pour les gens qui ne connaît pas, dans le régime de sanction États-Unis, dans la résolution 2653, il y a un comité de sanction qui est constitué d'ensemble de pays qui fait CSNUA, Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce comité, ça, qui travaille sur liste, nous avons sorti là graduellement. Pour qu'on ait qui est-ce qui l'a appelé et qui est-ce qui a ajouté à n'importe quel moment de la durée.
comité de section ça m'a rappelé nous gagner l'ensemble des pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc ça veut dire lorsque le Canada agit même lorsque les États-Unis pour parler puis pas sont isolés. Il fait en vertu de résolution 2653. Et nous sommes parlé de ça là déjà. Donc on y a là, si pas n'y a aucun suivi qui fait sur le plan judiciaire, que ce soit à l'échelle internationale ou à l'échelle nationale, monsieur Sayo n'a pas parlé là, ou bien l'autre monde a vu probablement, le temps pour le permettre qu'au moins il y ait une raison de nous. Qui ça va le faire? Nous sommes dit ça là. Il va dépenser de quoi l'argent, de fortes sommes, vous comprenez? Et faire lobby pour eux, la presse local surtout, journalistes qui ont parlé pour yo, articles qui ont sorti, vous comprenez, vous allez commencer à sortir des documents pour prouver ni de près ni de loin, il n'y a rien pour avec ça, il va accuser les États-Unis, il va accuser le Canada de l'autre bagaille, et vous allez commencer à mettre un série de secrets de yo, soit les États-Unis demandent pour faire tel bagaille ou pas, il n'y a pas de faire, que le Canada demande pour faire tel bagaille à un certain moment, il n'y a pas de faire. Et puis, je ne sais pas où est-ce qui va à Lambert, on va voir à qui facilite pour Lambert.